Bonjour, bonsoir à tout le monde. C'est un plaisir pour nous retrouver dans un moment ça pour nous présenter une émission spéciale côté que nous ensemble avec professeur, politologue, humanocrate Louiné Josema. Une émission tout à fait spéciale pour présenter une émission ça. Moi-même, c'est Jocelyn Pierre. Nous ensemble avec Moline Mackinson. Bonjour, bonsoir Moline, qui j'en sais. Bonjour, bonsoir Jocelyn. Jacques Odila, moi c'est Mackinson Moline. Donc, c'est un plaisir pour nous ensemble. Et déjà, nous dit bienvenue avec professeur et Josema Luiné, qui est philosophe, politologue, professeur de la philosophie. Nous vraiment contents pour nous ensemble, pour nous brasser l'idée sur ça qui vient pour nous avec question politique. Alors, faut que nous dit émission ça, c'est dans le cadre émission n'a réalisé pour nous et continuer former des jeunes qui a participé dans concours de génie que nous lançons depuis le 15 mai. Nous connaissons un concours de génie côté des jeunes universitaires, des jeunes écoliers, écolières qui participent ensemble avec nous côté que yap apprendre. Et nous connaissons professeur Josema en tant que professeur, c'est un monde qui pral former jeunes, même si surtout nous pral parler politique. Faut que nous dit professeur Louiné Josema, il c'est philosophe. Professeur Louiné Josema, c'est philosophe, politologue, professeur de philosophie politique et de communication politique. Il est aussi consultant, il était présentateur de culture et religion sur la télévision nationale d'Haïti. Il prône l'humanocratie qui est une école de pensée philosophico-politique. Professeur Josema, son plaisir pour ensemble avec nous dans l'émission pour Assoya. Tout d'abord, ou c'est politologue, dis-nous qui genre ou même ou ouais réalité politique là dans le pays, qui genre ouais société a fait politique jodi. Jocelyn, Pierre, Moline Mackinson, toutes fidèles internautes, émission ça qui sous panel virtuel là. Jodi, c'est un plaisir particulier pour moi, répondre à l'invitation ça. N'a pas gardé une société qui en désarticulation, une société qui finit, une société côté de nos capacités qui prend en otage, et là nous dit société haïtienne qui prend en otage, nous fait allusion avec acteurs saillants, secteur privé des affaires là, mais qui dans l'État, avec classe politique, politicienne traditionnelle là, qui va répondre à la vocation dernière. N'a pas gardé le secteur privé des affaires qui t'a doué participer dans sa création de richesse, productivité avec compétitivité, mais en Haïti, pas de productivité. C'est plutôt un secteur privé, un bon nègre là-dedans. C'est à l'acheter machine, vient prendre l'État comme client, vient vendre avec, dans la complicité, il capture l'État. Pendant qu'il y a plus de comptes et masse peuple là dans la misère. Et un bon nègre qui est dans l'État, qui sans compétence, sans intégrité, sans vision, d'ailleurs, nous avons une démocratie qui l'a gagné dans l'autocratie et l'a gagné dans l'autocratie, médiocratie. Et un bon nègre tout qui si on c'est leader de l'opposition, on pourrait son bon nec qui sans projet de société, sans idéologie, disons projet de société, parti politique que tu as prôné, je dis au 21e siècle, qui est l'autre défi, c'est le même sociaux, ils ont métamorphosé. Donc la société ça les prend en otage, par acteur ça y est. Et nous dit, si nous-mêmes, les sages de ce pays, nous pas rêver, si la jeunesse haïtienne, jeune femme à jeune garçon qui fait solution pays, il n'y a pas rêvé, eh bien, nous me disons, notre jeune qui peut croire le Chili, qui peut croire le Brésil, qui peut croire les États-Unis, il m'a appelé. Et nous avons prêts par un sens de responsabilité, si nous t'as dit ça. C'est ça que fait, je vous dis, à nous dit, jeune femme, jeune garçon, il faut que nous engagions nous dans la politique. Et engager nous dans la politique, livre ici, pas seulement comme électeur, pas seulement comme militant, mais nous capables dirigeants politiques tout. Des jeunes garçons, jeunes femmes qui compétents, qui intègrent, qui ont des visions et qui ont des marges de postérité, des solutions pays à ça. L'engagement de la jeunesse, qui est accompagné avec des sages. Oui. Alors, considérant professeur tout ensemble de rallye ça qu'on s'est fait sur et façon qui sont politiques là et bouger en Haïti et qui s'en cadre politique là même et si on a considéré aussi professeur ensemble de controverses qui gagnent sous concept ça. Par exemple, vous avez dit que parlé politique surtout spécialement en Haïti, mais du politique c'est bagaille monde sale. Qui ça politique là même? Politique c'est une science, elles sont art. Nous dit science. Il y a des critères. Où est-ce qu'il y a un objet d'étude? Où est-ce qu'il y a une méthodologie?
professeur Gratien Jean a prôné en la démocratie. C'est pour le bien-être de la communauté. Pour condition masse là, condition monde qui n'a misère, pour monde ça yo saute dans misère. Politique pas fait pour monde vinn pauvre. Politique pas fait pour un bon nèg qui dans secteur privé a vinn riche. Pour un bon nèg qui dans opposition, c'est avec mobilisation masse là, yo plutôt a bien placé pour faire bob. Politique, finalité, c'est pour moun vivre bien. C'est pour richesse là, bien partagé. C'est pour dirigeants politiques, yo. L'un des dirigeants politiques, dans le cadre de la politique là, elle a gardé acteur. Une dirigeant politique, je dis, et depuis toujours, c'est un conçu social. N'importe qui moun pas improvisé pour vivre dirigeant politique. Vin dirigeant politique, c'est un monde qui a compétence, c'est un monde qui a qualification, c'est un monde qui a vision, c'est un monde qui a un comportement qui est irréprochable, et c'est un monde qui a une démarche de postérité, c'est un monde qui sont patriotes, c'est un monde qui a dit son chef d'État. Mm-hmm. Professeur Josema. Jodia, Mbalbaou, l'élève dit, terrain politique là, fait politique, les pas à l'apanage, professeur yo qui capture l'État dans le secteur privé. On va incompétent, on va le coq qui dans l'État tout, il n'est pas un panache yo. Faire politique tout, il n'est pas un panache seulement. On va une série de leaders politiques en Haïti qui prend parti politique comme entreprise. Politique, c'est affaire tout le monde. D'ailleurs, en politique, on est responsable de son apparence, tout le monde peut participer. Qui ne vote pas, ne compte pas. Mais je dis, pour nous faire politique là, c'est réalité nous, pour tout le monde participer à la politique là, et pour politique là répondre à la vocation de Niel, pour qu'elle soit efficace et efficient, il faut nous mettre science, connaissance au service politique là, il faut que ça nous donne des compétences, des qualifications, des gens qui sont sérieux, qui sont honnêtes, qui intègrent, et qui ont des visions, qui ont des marges de postérité, qui doivent être dirigeants politiques. Professeur Josema, si la... Professeur Josema, si n'a considéré tout ça ou dit là yo et tenu compte de yo, si n'a considéré Jean Noué et en pile auteur ou encore l'autre courant philosophique yo traité question politique là, est-ce que nous capable dit gen politique qui propre à Haïti? Nous t'ai quand même dit est-ce que ça cap fait là aujourd'hui en Haïti, est-ce que c'est politique? Politique politicienne nous wè cap fait en Haïti, ça les politiques aérien, ça nous allons mascarade. D'ailleurs, faire politique, c'est pour vivre monde changer. Est-ce que politique a fait en Haïti pour vivre monde changer? Bon, nous avons dit vivre monde changer. Nous avons dit vivre monde changer, professeur. Si nous avons vu plus pauvre, nous avons vu plus pas éduqué, c'est son changement, quoi. Je ne sais pas qui, en tant que on philosophe. On ne pas jouer, on ne pas jouer, Jocelyn, dans nous. L'un des vivre monde changer, mais qui ça nous dit? Ou non, pays, côté, qui misère? Condition moun ka travaille, moun sa yo pouvoir d'achat vin réduit. Ou non pays côté secteur privé, la fait croire, li capture l'État. Côté, yo font pour rater la question de là, pour pas joindre ni. Moun qui a travaillé kay moun yo, moun qui pas travaille même, moun sa yo pas même gagné yon dollar pour yon manger. L'État, est-ce qu'elle prend responsabilité? Moun nous vote comme sénateur, comme député, qui t'a doué à légiférer pour poser des bases légales pour la société. Est-ce que vous regardez comment la productivité doit être faite? Nous regardons par exemple le département de la Tibonite, côté me sorti, parce que moi je suis privé la Tibonite. Pour qui ça? Pas capable de gagner des lois qui exigent. On va l'entrepreneur. Dans ce notre bon pour y aller acheter du riz pour venir dans le pays, mais pour l'État, il crée stabilité, il baille sécurité, il exige moun qui décroît qui sont entrepreneurs, pour monter gros usines dans le pays, pour que la production qui fait. Et pour que ça moun qui peut acheter machine, yo, c'est pas pièce machine qui a acheté, yo vient faire assemblage en Haïti. Je l'ai fait États-Unis. En plus bas, il a fait États-Unis. Nous connaissons l'industrie mondiale aujourd'hui. C'est la Chine, mais c'est États-Unis. Vous montez. Aujourd'hui, est-ce que, sous parler les messieurs X, sous parler les messieurs Y, est-ce qu'on est capable de faire business en Haïti? Qui loi qui assure sa de compétition? Tout en temps, nous pas garder création de richesse, nous pas garder sa de productivité et compétitivité pour assurer ça. Nous pas garder sa de
avec bandit pour yon capturer peuple là, pour yon kidnapper peuple là, pour yon terroriser peuple là encore. J'en dis, y'a, n'a demandé, et ces solutions ça, politique là, faut répondre à la vocation de Niel. Vu que Mounsa yon est capable, eh bien, jeunesse là, jeune garçon, jeune femme, faut nous mobiliser, faut nous engager nous. Surtout lorsqu'on fait appel avec Genio pour intégrer la question politique là, nous avons dit, nous remarqué Genio, jeunes filles, jeunes garçons, sont totalement absents dans la question politique du pays. Et qui vient de faire que il y a des jeunes même qui ont une conception comme quoi c'est unique côté, c'est-à-dire question politique là, c'est unique côté qui permet que les jeunes ne sortent pas. Mais dans le cas de ça, qui ça Genio a fait même pour intégrer la politique du pays? Je dis à une bonne série de jeunes garçons dans le pays là, qui ont des habiletés intellectuelles, qui ont des connaissances, qui ont des autorités, des spécialités dans les sciences humaines et sciences sociales, des jeunes politologues, des juristes, des économistes, des ingénieurs, un bon jeune garçon qui est compétent, qualifié, qui est intègre, qui est honnête, pour nous-mêmes, nous envahir l'espace public là, mais tiens ça, qui sont cancers. Les gens qui ne parlent pas de micro dans les mains, c'est eux-mêmes qui continuent à parler. Et les gens qui ont participé dans le peuple dans l'État lié, les gens qui sont sans vision, qui sont sans projet de société, solution par l'autre bagaille. C'est l'engagement de la jeunesse. Jeunes garçons et jeunes femmes, si vous n'êtes pas engagé pour nous structurer l'engagement, pour ne pas quitter ou infiltrer par un bon blanc faire dans le secteur privé. Si le peuple a gagné dans l'ONA, ou est-ce même qu'à Boutel, et puis le grand a besoin d'émerger tête là comme leader politique, faut nous faire yo. Jeune garçon, jeune femme, faut nous mettre tête nous ensemble. Quand plus jeune garçon qui est compétent, quand plus jeune femme qui est compétent, et qui est gris net tout dans l'État, ou bien dans l'opposition, qui est honnête, qui est intègre, faut nous venir accompagner jeune femme à jeune garçon pour faire politique, pour nous changer la vie du monde. Faut nous mettre science. Connaissance, intégrité, ça crée l'immunité, humanité, c'est ça la démocratie, oui. Compétence, connaissance, avec un monde qui moune, qui a une vision au service de la politique. Posez Josema. Jeune garçon, jeune homme, pas éveillant, il accomplit ce métier avec Yaya là. Bon penseur qui dit, le monde est dangereux, non pas à cause de ceux qui font le mal. Mais à cause de ceux qui regardent et l'espèrent, faut que nous réveillons-nous. Je laisse ça, faut que nous engagions-nous. Et engagement-nous, faut qu'il stratégique. Faut une stratégie politique pour nous éviter infiltration. Et faut nous gagner ça, quelle stratégie communication politique, nous, comment pour nous envahir l'espace public, là, réseaux sociaux, nos communications qui méprisent, et médias traditionnels, là, qui sont cancer pour nous, qui là-dedans, yo, qui style après, yo, bonne série de nez qui, sans compétence, sans intégrité, sans moralité politique, c'est même qui prend lutte masse là, engagement jeunesse là, puis yo galvauder pour faire comme là-dedans. Je dis à nous dire non, et faut que jeune garçon et jeune femme, m'a dit mille et une fois, pour payer ça, en sorte dans sa lié, y'a, qui est deux catégories de monde qui a retiré là-dedans. Jeune garçon et jeune femme, avec les sages de ce pays, il a une cité qui a créé le monde, qui sert la donne toujours, qui compète la donne toujours, c'est pour nous mettre ensemble avec jeune garçon et jeune femme, qui a compétence, qui a intégrité, moralité, qui a vision, pour nous mettre des sciences au service de la politique. Politique sont sciences liées. Professeur Josema. Professeur Josema. Qui va connaître, je pense, mais bon, seconde. On ne peut pas connaître qui ça un phénomène social. Comment pour le politique son phénomène social? Comment pour le problème public, pour élever nos agendas, pour le mettre au rang des politiques publiques? Et pour Mounzaradou, c'est lui-même qui a le candidat pour député ou sénateur. À fois venir d'une gonça, loi électorale là, il n'est pas délimité qui vous a candidat. Comment on a avec ça? Mais c'est juste, mes amis,
Professeur Josema, moi comprendre tout ça ou dit là, toute préoccupation gain sous des monde qui a fait politique en dans pays, sous et question responsabilité média yo et nan bail de monde micro. Mais par exemple, ou même qui c'est une responsable l'école de pensée, c'est l'humanocratie. Et qui idéologie nous prônez en dans l'école de pensée ça et qui genre de travail et n'a fait en dans l'école de pensée ça? Moi ça dit là filigrane, l'humanocratie c'est un système philosophico-politique, c'est une philosophie qui exige tout, un système politique. L'humanocratie qui apprône ça que l'équité. Lors dit équité, ça veut dire dans la société, il y a quand même des gens qui sont aisés, qui sont riches, mais il faut que la pauvreté, il faut que la misère soit éradiquée. Injustice sociale, il faut garder les conditions de la vie. Philosophie, ça, là, nous parlons de l'humanocratie, nous voyons. Ça, on a vivre là, praxisme, on a passé avant théorie. Et le bon, ouais, politique humanocratique là, ça, son système politique même qui basé sur l'équité, j'aime ça dire. Pour moi, vivre bien. Et je te dis, l'humanocratie qui constate, démocratie ça, qui intercalé avec corruptocratie, c'est corruption qui a fait là-dedans. Regardez qui s'est passé dans le gouvernement avant, avec l'argent de Caribe. Démocratie ça, tout libre accès. Avec sa crée médiocratie, sous le monsieur qui n'a pas pouvoir, sous le monde qui va même des compétences, qui va même des qualifications. Nous constatons, sous la démocratie, hein, et je dis, l'humanocratie, l'immander pour démocratie humanocratiser. L'immander pour démocratie humanocratiser. Ça veut dire, politique, il faut que c'est des méritocrates qui viennent des dirigeants politiques. Des gens qui construisent les dirigeants politiques, les dirigeants politiques. Mais des sciences au service de la politique, connaissances au service de la politique, compétences, qualifications, monde sérieux, monde honnête, monde qui a une vision, monde qui a une démarche de postérité, ça veut dire, pays d'Haïti, pas de garçons dans 85 ans, mais dans 85 ans, nous avons commencé à poser des bases pour nous situer l'institution. C'est là que nous sommes, nous sommes humanocrates. L'humanocratie, ça nous dit là, les dit, je dis là, on nous fait place avec moun qui a des compétences, qui a des intégrités, qui a des visions pour faire politique. Ça, on l'a dit qui ça? Dans tout département, dans le pays d'Haïti, mes amis, dans la commune, dans l'élection que vous faites dans le pays, l'humanocratie a demandé pour jeunes femmes et jeunes garçons, pour les sages de ce pays, de réveiller. C'est pour les réveiller. C'est pour yon engager yon. Engagement jeunesse là, c'est un engagement humanocratique qui est lié. Engagement dans le nous à candidat ou jeune garçon compétent yo. Jeune garçon qui est honnête, qui est intégré vis yo. Faut une candidat parce que trois de monde pas gâché le pays d'Haïti. Bonjour. Oui, frère. Si m'a considéré ensemble réaliste ça qui très profonde, je pense que d'abord faut gagner ça une décalé en forme de déconstruction qui fait pour que les jeunes arrivent à intégrer le système là, parce que bon façon système là l'ichita y a ensemble de anciens qui fait comprendre que il va pas possibilité pour jeunes émerger, parce que le jour j'ai que jeunes d'arriver émerger eux même il a effacé totalement sous scène là. Et nous connaissons tout bon problème de formation, parce que bon type de formation qu'on recevoir qui crase tête nous, qui comme si qui totalement construit nous d'une façon cochée, et qui vient faire que l'important pour ta gagner santé carrière de construction totale pour permettre que jeunes ta intégrer et base politique qu'on parler dans 4-5 ans ça au moins pour l'état posé. Mais à partir de cela, professeur, qui est pression à compréhension par ou sous mode gestion politique, système politique ça en Haïti? Les autres systèmes vont arriver dans le bout, qui système nous dit? Eh bien, c'est pratique politique ça, en de démocratie ça, qui est décalé avec autocratie, médiocratie. Je n'en fais là. J'en vois l'État, les capturés par un bon lègue dans le secteur privé. J'en vois une bonne série d'incompétents qui bloquent feu. Qui, dans la classe politique, politicienne, des partis politiques dans le pays d'Haïti, c'est avec ça pour nous finir. Et pour nous finir avec ça, son ordre politique qui arrive dans le bout de l'île. Mais même ordre politique qui arrive dans le bout de l'île, nous-mêmes, comme jeunes femmes et jeunes garçons, faut nous commencer à mettre au bas dans un engagement pour un leadership transformateur. Je nous ai fait cette ronde pour nous capables de prendre l'air, pour nous capables de dire, je dis à. Jeune femme, jeune garçon, à nous humanocratiser, nous. À nous arranger, à nous mettre tête ensemble et à nous éviter les infiltrations.
parce que quand l'autre cycle politique qui va venir là, l'autre cycle politique qui va venir là, on a des gens qui pour nous frère, tout blanc fait ouat dans l'opposition, tout blanc fait ouat dans l'État, tout blanc fait ouat dans le secteur privé là. Depuis jeune femme, un jeune garçon, choisis mes têtes ensemble pour mobiliser contre la corruption, pour mobiliser contre la richesse, pour mobiliser contre la mauvaise pratique de la politique là, contre la mauvaise gouvernance. Yo candidat, yo succédé tête, de gagner plus de compétences, et mon prêt pour le pays, oui. C'est engagement ça qui demande, oui. C'est engagement immanocratique là, ça, oui. Engagement de la jeunesse, accompagnement des sages. Éviter infiltration. Éviter infiltration. Nous t'es presque bon, oui, avec phénomène pétocali de challenger. Si jeune femme et jeune garçon qui t'a fait lutte contre corruption, c'est qu'on est. Relé à la barre de corruption, c'est relé à la barre contre tout blanc fait qui est dans l'État. On prend la belle qui est dans la corruption. Relé à la barre contre bon blanc fait qui est dans le secteur privé. Il y a la corruption tout. On prend bon blanc fait qui est dans l'opposition. Il y a même été campé comme jeune garçon, jeune femme. Il y a été structuré le mouvement loi, stratégiquement. Il y a une belle communication politique. Pas pour mentir. Le pays d'Aïs va passer à l'éjodia là. Dis-moi qui n'est, dis-moi qui jeune garçon, jeune femme. Qui émerge dans le mouvement pétrocarbure du challenger. Vous voyez, son bon nègre qui dépose les ailes 4 encore, pour y émerger tête, et tout nègre ça, c'est un bon nègre qui est un peu dans la pétrocarbure. Vous voyez, comme vous mettez un cancer qui va accompagner les jeunes là, mes amis, objectivité dans les médias, subjectivité maîtrise dans les médias, c'est pays à cadeau ça. Il y a trop apatride en Haïti, en dans le secteur privé, il y a avec apatride, mais qu'il n'y a pas ici, vrai. Mais on peut venir comme entreprise, comme marché pour vivre. On donne l'État à son bon nègre qui va même consacrer la fonction politique et la fonction administrative de l'État. Son bon nègre qui s'est accompagné par ici, c'est vrai. Posez à Josema. Son bon nègre, c'est visionner pour faire quoi? Jeune garçon, jeune femme, monde qui sache dans le pays ça. Soit on dans l'État des trois graines, soit dans l'opposition des trois graines. Soit dans le secteur de trois graines, c'est l'accompagner le groupe jeunesse ça. Groupe jeune garçon et jeune femme pour nous faire notre pays. Pour nous dire jeunes qui Brésil, qui Argentine, qui Chili, qui en Amérique du Nord, qui en Europe. C'est la ville dans le pays. Il y a Haïti, monsieur. Nous allons la finir comme ça. Jeune femme, jeune garçon, solution pays d'Haïti a passé par nous-mêmes. Professeur Josema, juste avant de poser une autre question, probablement nous presque arrivé dans la fin de l'émission, hein? Mais pour le moment, on a parlé à la, faut que nous saluions vraiment toutes jeunes et universitaires, jeunes écoliers et écolières qui participaient dans le concours au génie. Équipe panel virtuel là a organisé, c'est le génie du confinement. Et dans le cas d'émission, c'est vrai qu'il y a des questions de bonus que nous quittons pour eux. Nous permettons de nous poser trois questions de bonus. Côté jeune, ça est capable de répondre sous numéro 48 31 37 89. Il y a bien pour eux voyer réponse à eux pour nous. Et la première question est dans quel pays fièvre Ebola t'est déclaré et jusqu'où n'y a dans quel pays il continue à faire ravage? Qui pays qui a vive fièvre Ebola? Deuxième question. Nous cherchons l'ancien nom de Burkina Faso. L'ancien nom de Burkina Faso. Troisième question. Nous cherchons l'année de la fondation de la ville de Port-au-Prince. Trois questions ça yo. Y a capable de répondre sous 48, 31, 37, 89. Professeur Josema, nous presque arrivé dans fin émission. Bon, pose aux questions ça. Probablement Moline gon dernière question et lui-même. Qui ça d'après vous qui t'a doué fait pour changer ligne ou encore système politique n'a vive dans pays aujourd'hui pour permettre à ce que aujourd'hui pour jeunes yo prend la relève. Ça qui doit fait là, faut lui passer par un engagement de la jeunesse, j'aime te dire nous non. Pour jeunes garçons et jeunes femmes qui t'as ensemble, accompagné par des sages qui veulent venir tout, mais mouvement là. Moun ki de nan tèt li, engagement ça, c'est jeune garçon, jeune femme qui est compétence, qui est intégrité. Et médias, mes amis, qui c'est cancer pays ça. Il y a tous ces pays ça, les médias. Pour froid, je dis, directeur d'opinion, on va être pays à un chance. Qui est des moun, y'a pas de crasé pays ça trop. Je dis, c'est converti, puis converti, et puis autant de. Pour que les jeunes ça avancent. Ça m'a dit à la li pour tout pays là. Dans l'élection qui est pour faire dans le pays d'Haïti, les après élections, dans toute communion dans le pays, il faut que ce soit des jeunes garçons, jeunes femmes qui posent des candidatures, soit pour députés, soit pour sénateurs dans le département, et même candidats à la présidence.
pour nous capables qu'on l'autre pays autour d'un projet côté jeunesse là lui-même il n'est pas avenir encore mais c'est présent hein. Jeune garçon jeune femme pays a pas qu'à finir comme ça Josué moi-même moi c'est une petite rivière de la Tibonite la belle rivière on prend histoire dans pays là cité la crête à Pierre c'est l'allié 24 mars hein c'est pas n'importe qui tape non quand on donne force on donne les forces de la crête à Pierre quand des salines t'es campé il t'a cité pas parole célèbre là quand t'es parlé 365 portiers jodi là son ville qui a terrorisé par un groupe bandit là oui contre l'état qui ça l'état dit dans ça jeune femme jeune garçon toute jeune femme jeune garçon tire la Tibonite m'ba nous message ça faut nous réveiller nous faut nous chuter ensemble pour unifier la ville là pour nous mourir notre pays même j'en débat pas la 24 mars tire la Tibonite et bien révolution humanocratique là révolution pour changement haïtien révolution qui a prôné engagement de la jeunesse là qui a commencé là en nous engagez nous oui frère nous vraiment arrivé dans fin émission que je s'étais annoncé lui mais tout d'abord on a regardé le regard général jeune dans le pays on concevoir que tout pays qui gagnait majorité de jeunes il dit pays ça son pays riche pourtant Haïti même estimation dit il y a près de 70% de jeunes désolé et nous regarder dans qui état nous aujourd'hui et nous essayer garder nous faire émission tourner autour de jeunesse là même qui doit intégrer système politique là pour changer bagaille c'est comment ou même ou prêt par rapport avec philosophie ou par rapport avec idéologie et compréhension politique parce que mon d'accord pour jeunes intégrer comment ou prêt pour partager ou me dire aider jeunes à trouver formation et pour vraiment pour intégrer système politique là et après des années au moins nous ca commencer vraiment marque du changement dans le pays d'Haïti. Premier travail moi fait dans le domaine de sciences politiques, me fait dans ça que les socialisations politiques à l'école secondaire haïtienne. Moi comme professeur de philosophie, comme professeur de philosophie politique et de communication politique depuis dans l'école classique, j'aime te qu'on enseigne Saint-Louis Gonzague, j'ai toujours dit il faut commencer à engager dans la politique. Même toute l'école dans lycée Petit-Rivière de la Tibonite, côté me fait coup, dans l'université de Pétionville, dans toute université que moi j'ai chance d'enseigner, c'est une bagaille qui me toujours apprôné. Jeunesse là, faut nous impliquer nous dans les affaires politiques, faut ne pas quitter et utiliser nous, faut être prudent, parce que solution pays ça, la passe par nous-mêmes. Gardez un éveil populaire de ce qui est là, nous quitter bluffer yo, méchant yo, yo galvaudel. Je dis à. Il n'y a pas l'autre média qui a fait pays ça mal depuis des années. Nous-mêmes, comme jeunes garçons qui engagent dans les médias là, nous avons commencé à travailler ça avec. Travail éducation, travail de sensibilisation, travail pour nous mobiliser, jeunesse là, pour engager, pour participer dans le processus politique. Ce n'est pas seulement à voter, ce n'est pas seulement à militer pour nous émerger de tête. Ou gen compétence, ou honnête ou même ou gen intégrité, faut poser candidat ou capable de député, ou comprendre un problème social bien, ou même qui ta politisé. Yo. Je dis à fond, jeune femme, jeune garçon, ou nous prenons le voter, ou nous avons mérité, voilà, voilà, conclu pour nous poser à Josema. Voilà, nous arrivons dans la émission. C'est vrai, pour ça, Josema, nous connaissons un pile l'autre bagaille. Vous dites probablement, dans la prochaine émission, nous sommes capables d'inviter à continuer à parler avec Jeannio. C'est un plaisir vraiment pour nous de recevoir dans l'émission ça, côté nous, à garder implication jeunesse haïtienne dans la politique de son pays. Vraiment, merci parce que vous répondez avec invitation. Nous, pour ça, Josema, si vous avez un dernier mot, dans 30 secondes, qui est le capable? Nous disons merci pour l'invitation et nous avons lancé appel là pour jeunesse là, pour les jeunes de ce pays, jeunes garçons, jeunes femmes, politiques qui sont pratiques sociales, hégémoniques, de par sa centralité, sa transversalité, monde qui dirige en politique la donne, monde qui lead la donne, jeunes garçons, jeunes femmes, nous ne pas suivre l'audia, il faut développer des chips, il faut impliquer dans la question politique. Politique n'est pas capable, j'en te dis à bluffer ça dans le secteur privé, qui n'a l'État, qui n'a l'opposition, qui là, qui remet le statut pour agent. Il faut nous entrer dans la politique là, avec compétence nous, pour nous mettre science au service de la politique, intégrité nous, qualification nous, vision nous, parce que nous sommes haïtiens, nous sommes patriotes, pour nous faire le pays.
Voilà, merci auditeurs, auditrices, internautes de panel virtuel qui te permettent. Merci avec tout le monde qui t'a écouté l'émission. Si là, on a dit tout le monde qui peut abonner avec channel YouTube panel virtuel. Là, yo capable faire ça. Mais surtout partager émission ça yo pour capable continuer former plus monde, plus jeunes en dedans pays. Merci avec tout le monde surtout qui engagé yo pour supporter panel ça. Déjà monde qui déjà supporté activité nous fait yo, nous pas capable remercier la fondation. Féliciter, nous pas capable remercier l'INS, l'institution Nouvelle Source, nous pas capable remercier HCRAT, nous pas capable remercier vraiment tout le monde. Par exemple, gagner PEDU qui c'est un partenaire qui a supporté activité de génie nous entrepreneurs. Tout l'autre monde qui voulait supporter une telle activité, qui voulait encourager jeunes, yo, même Jean professeur José m'a encouragé yo pour yo entrer dans politique avec honnêteté, intégrité. De monde qui ka supporter jeunes yo pour yo former tête yo davantage, vraiment nous espérer n'a contribuer pour nous réaliser genre des activités ça yo. C'est ton plaisir Jean nous dire pour ça José Mamouline Mackinson, c'est ton plaisir pour nous te présenter émission ça sous un dernier mot qui ça le capable. Tout d'abord moi remercier professeur José Ma qui était avec nous, qui t'a partagé panel là avec nous, son honneur pour nous et nous remercions toujours Saint pour nous te partager panel là ensemble et nous sûr que c'est pas pour dernière fois n'a boire ces vidéos ensemble. Merci professeur, à la prochaine, ciao ciao.